Dans l'Antiquité, comme dans le monde moderne, l'histoire nous montre un besoin croissant de voir toujours plus grand. Voici l'histoire d'hommes qui ont su se dépasser pour agrandir, créer, avancer, repousser les limites du possible, pour prouver que oui, la taille importe. Nous allons explorer des chantiers démesurés qui ont façonné chaque aspect de notre société. Notre manière de vivre, de travailler, de voyager, de bâtir des empires et de rêver. Nous verrons comment nous avons toujours cherché à faire plus grand, plus lourd, plus haut, en un mot, toujours mieux. Des experts vont nous expliquer comment la technologie a permis d'accomplir des exploits, de relever des défis et de surmonter les obstacles. Certaines de ces inventions ont changé le monde et notre façon de vivre. D'autres, un peu moins. Réussite ou échec, ces géants ont démontré la volonté de l'homme de voir les choses en grand. Depuis le temps que l'homme existe, il se bat pour défendre ce qui lui revient de droit et encore plus pour obtenir ce qu'il n'a pas. Le constat est sans appel. Celui qui possède l'arme la plus grande a toujours l'avantage. Voici les armes, les machines de combat qui ont révolutionné la guerre. Les avions, les chars, les navires, les sous-marins et les fusils que l'on cherche toujours à perfectionner. Avec l'armement militaire, notre envie de construire devient une nécessité en temps de guerre. Que ce soit pour garantir la victoire ou coûter beaucoup d'argent, une chose est sûre, dans l'art de la guerre, l'armement compte. Commençons sur un terrain que la guerre n'a occupé que récemment, le ciel. En un peu plus de 100 ans, les avions militaires ont évolué des engins bancals en bois et en toile vers des machines énormes, incroyablement complexes et mortelles. Et s'il n'y en avait qu'une pour symboliser le gigantisme des forces aériennes modernes, la voici. Le Boeing B-52 Stratofortress. Le B-52, surnommé en anglais « bœuf » pour gros engins moches et gras, est un bombardier à longue portée utilisé par l'armée de l'air américaine. C'est un avion époustouflant, ne serait-ce que pour sa longévité au service de l'US Air Force, qu'il l'utilise depuis des années et continuera encore à l'avenir. Étonnamment, son baptême de l'air date de plus d'un demi-siècle, en 1954, au plus fort de la guerre froide. Il a d'abord été conçu pour transporter des bombes nucléaires, mais au fil des années, il a été amélioré. Pendant la guerre du Vietnam, ils ont apporté des modifications qu'ils ont appelées « Big Belly » ou « Gros Ventre » pour augmenter sa capacité à transporter des bombes conventionnelles au lieu de bombes atomiques. Le B-52 a un rayon d'action d'environ 7200 km. Un record inégalé parmi les bombardiers. Mais en réalité, il peut aller beaucoup plus loin avec une portée totale de plus de 25 000 km. Plus de la moitié des 40 000 km de circonférence de la Terre. C'est un appareil de plus de 12 mètres de haut qui a une envergure de 56 mètres. Le B-52 peut accueillir jusqu'à 27 tonnes de sang de bombes.
Il est gros et bruyant. Il a été conçu pour des objectifs spécifiques et il les accomplit avec brio. Il n'a pas d'égal. Les études de conception actuelles estiment que l'on peut s'attendre à ce que le B-52 reste opérationnel au moins jusqu'en 2040, près de 90 ans après son premier vol. C'est intéressant de voir des passionnés qui le découvrent pour la première fois. Assurément, il y a un facteur d'émerveillement qui entre en jeu. Il est véritablement impressionnant et très différent. À sa création, le B-52 était le successeur moderne d'un avion à hélice tout aussi célèbre et redouté. Il en a même tiré son nom. Le B-52 Stratofortress descend directement de l'avion qui fut à l'époque de sa mise en service le plus grand bombardier au monde. Le Boeing B-29 Superfortress. C'était une merveille de technologie. Il était capable de transporter une très grosse bombe sur de très longues distances. Il était extrêmement en avance sur son temps. Le B-29, sorti en 1944, embarquait une technologie considérée à l'époque comme révolutionnaire. Avec une cabine pressurisée, un système anti-incendie et des mitrailleuses commandées à distance. On disait que l'appareil pouvait lâcher une bombe dans un bocal de cornichons. C'est dire s'il était précis. Le B-29 était l'avion de production le plus lourd au monde. Avec une charge maximale de 9072 kg de bombes, il pesait plus de 47 tonnes 500 contre 33 tonnes 800 à vide, tandis que le quadrimoteur britannique Lancaster, 27 tonnes 400. Mais le B-29 avait une vitesse de pointe de 579 km/h contre 442 pour le Lancaster et pouvait s'élever à 9708 mètres d'altitude. The B-29 has longer range than any other bomber in the world. Au total, Boeing a construit 2766 B-29. Le plus important est que c'est un B-29 qui a mis fin à la guerre en larguant la bombe atomique. Remotely fired guns, speed, ceiling and bomb load have made the B-29 the most formidable air weapon known to man. Les bombes sans pilote, les systèmes de missiles et d'autres armes plus sophistiquées ont transformé l'apparence, la forme et la taille des bombardiers. Mais il en est un qui peut prétendre au titre de géant. Le Tupolev Tu-160 est le plus gros engin de combat supersonique jamais conçu. Je l'ai déjà vu voler. Ça m'a laissé un souvenir indélébile, notamment à cause du bruit qu'il faisait. Je n'avais jamais entendu un avion aussi bruyant de ma vie. Une fois que son rugissement s'est un peu calmé, on a entendu ce qui semblait être des millions d'alarmes de voitures sur le parking. Le Tu-160, appelé Blackjack, est le plus grand bombardier supersonique au monde. D'une envergure de 55,70 m, haut de plus de 13 m, et pesant 267 tonnes chargées, il est 2,5 fois plus lourd que le plus grand animal de la planète, la baleine bleue. Son prototype a été testé en 1981. Il est devenu opérationnel en 1987, et sa production a cessé en 1992 lorsque Boris Yeltsin a annoncé que plus aucun bombardier stratégique ne serait construit. On estime le nombre total de Blackjack produits à 39. Il était très puissant et ses ailes étaient à géométrie variable. Le Blackjack est équipé de missiles de croisière et de roquettes, chacun pouvant contenir des têtes nucléaires ainsi que des bombes gravitaires.
1989, un TU-160 a atteint pour la première fois une vitesse de 2200 km/h. Et au cours de sa carrière, le Blackjack a établi 44 records du monde. C'était une vraie bête. Et on parle même d'en relancer la production aujourd'hui. L'industrie de l'armement a vu la taille des bombardiers diminuer et le rôle des avions pilotés s'amenuiser. Mais dans le domaine de l'aviation militaire, la taille sera toujours primordiale. Car l'armée aura toujours besoin de se déplacer rapidement et de déployer ses troupes et son équipement. Le AN-124 peut transporter beaucoup d'équipement. Développé en 1979, il a été constamment actualisé au fil des années. L'Antonov 124 Condor fut un temps le plus gros avion au monde. Mais il demeure le plus grand véhicule militaire et le deuxième plus gros avion de fret au monde. Long de 36,50 m, large de 6,40 m et haut de 4,30 m, le AN-124 a une capacité de 150 tonnes. L'intention de départ était de construire un appareil qui pourrait transporter des chars d'assaut soviétiques. Le AN-124 Condor est équipé d'ailes relativement épaisses au profil supercritique en pointe. Elles lui permettent de parcourir 4500 km à une altitude maximale de 10 000 mètres. Lorsque j'ai pu en voir un décoller, j'étais très excité. Un avion aussi gigantesque qui ne monte plus à la verticale, mais dans un virage ascensionnel. Ce n'est pas naturel pour un appareil de cette taille de grimper en l'air de cette manière. Plus tôt dans l'histoire de l'aviation, un engin comme l'Antonov n'était pas réalisable. Et pas seulement à cause de la technologie nécessaire pour le construire et le faire fonctionner. Le développement aéronautique a distancé celui des aéroports. C'est pourquoi il fut un temps où les meilleures grandes machines volantes étaient les hydravions. Sur l'eau, plus de limites aux pistes d'atterrissage. Et le plus grand hydravion jamais commercialisé était le Martin M170 Mars. La société Glenn L. Martin, fondée en 1912, possédait le plus grand hydravion allié lors de la Seconde Guerre mondiale avec leur M-170 Mars. Le Martin Mars fut commissionné par la marine américaine pour servir de bombardier de patrouille sur mer. Le premier vol du prototype XPB-2M2 Mars eut lieu le 23 juin 1942. Et l'appareil fut officiellement réquisitionné par l'US Navy le 30 novembre 1943. Les avions Mars étaient longs de 36 mètres, soit deux pistes de bowling. Et leurs ailes avaient une envergure de 61 mètres pour une hauteur de 12 mètres. Il était conçu pour embarquer 130 troupes et environ 30 tonnes de cargaison. Soit 7 véhicules légers. The 25-ton seaplane sails smoothly and proudly over the bay. The biggest plane ever built in the United States. Les batailles du Pacifique se déroulaient avant tout en mer. Et les fonctions offensives du Mars étaient limitées. Seuls 7 de ces hydravions géants furent assemblés. Ils continuèrent à servir l'US Navy jusqu'en 1956. Il est devenu célèbre plus tard en tant que bombardier d'eau. Les petits hydravions continuent de relier certaines îles du monde entier. Mais l'ère des énormes appareils a pris fin avec le Mars. La mer est redevenue exclusive aux navires de guerre. Et c'est là, plus que n'importe où ailleurs, que la course à l'arme la plus puissante était aussi la course à la plus immense.
Cette course aux armes navales a participé à la déstabilisation des relations internationales durant la première moitié du XXe siècle, lorsque les cuirassés dominaient les océans. Mais ces derniers devinrent obsolètes face aux navires les plus énormes et les plus dangereux qui soient, les porte-avions. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions devenaient de plus en plus gros pour deux raisons. La première a été les avions à réaction, et la deuxième, le développement de la bombe atomique. Les plus puissants appartenaient à la marine américaine, et les plus redoutables d'entre eux étaient les Nimitz. Les 10 porte-avions Nimitz possèdent jusqu'à 18 étages, 8 au-dessus du hangar et 10 en dessous. Ils sont énormes. Ils font presque 1 km de long et à pleine capacité, ce sont 100 000 tonnes qui se déplacent. 3,5 fois plus lourds que la Statue de la Liberté, l'énergie nécessaire à mouvoir ces Nimitz dans l'eau provient de 2 réacteurs nucléaires. Les 10 porte-avions Nimitz ont été conçus pour être en service durant 50 ans, avec un seul ravitaillement à mi-parcours. Les statistiques sont classées défense, mais ils peuvent atteindre plus de 30 nœuds. Et leur portée s'exprime en durée et non en distance. Ils sont opérationnels sans interruption pendant 20 à 25 ans. Ils seront remplacés par la classe Gerald Ford, qui abrite une technologie plus avancée, mais dont les proportions sont les mêmes que les Nimitz, leur coque étant conçue à l'identique. Le deuxième classe Ford a été mis en chantier. Ce sont des bâtiments encore plus impressionnants que les Nimitz. Le plus grand navire de guerre d'Europe de l'Ouest et le seul alimenté au nucléaire en dehors des États-Unis est le porte-avions français Charles de Gaulle, inauguré en mai 1994 et armé en septembre 2000. Avec ses 38 000 tonnes et sa piste de 195 mètres, il ne saurait rivaliser avec les Nimitz en termes de dimensions. Mais il dispose d'une puissance considérable. L'énergie nucléaire du porte-avions lui permet de naviguer pendant des années sans ravitaillement. Le Charles de Gaulle embarque une flotte maximale de 40 aéronefs, dont des avions de chasse Rafale super-étendard, ainsi que 3 avions de reconnaissance E2C Hawkeye. Puis ils ont réalisé que le pont d'atterrissage était trop court pour les avions Hawkeye. Alors ils ont dû le rallonger de 3 mètres. Ils transportent également des hélicoptères AS-565 Panther ou NH-90. Et il est en mesure de pister jusqu'à 2000 cibles. Le navire est aussi équipé de 8 canons de 20 mm Nexter 20 F2 qui peuvent tirer 720 coups minute jusqu'à 8 km de distance. Les coûts de construction du Charles de Gaulle, associés aux contraintes financières de la France à cette époque, ont limité la production à un seul et unique porte-avions. Les porte-avions ont une puissance de feu considérable. Mais en situation de combat, les forces armées peuvent être contraintes de se rapprocher et d'attaquer les ennemis au sol. Lorsque les troupes doivent se déplacer d'un navire jusqu'au rivage, les vaisseaux amphibies jouent un rôle essentiel. Les classes WASP pèsent 40 000 tonnes et mesurent presque 260 mètres de long. Leur capacité est de 1 200 troupes. Ils peuvent également accueillir environ 25 aéronefs et employer un équipage de 1 300 personnes. Si à première vue ils ressemblent aux porte-avions, ces navires d'assaut amphibie transportent tout le nécessaire pour mener des opérations de débarquement.
des troupes, des navires d'assaut amphibies, des hélicoptères de transport et d'autres appareils volants. On trouve également à bord des installations de commande très élaborées. Ce qui fait du navire d'assaut amphibie le navire de guerre principal dans un groupe d'assaut, ou ARG. Une flotte spécifiquement dédiée aux opérations côtières. Les ARG peuvent lancer des opérations amphibies et sont un soutien de longue durée pour les débarquements. Les classes Wasp sont 25% plus gros que n'importe quel autre navire amphibie. Une autre page de l'histoire se déroule sous les flots, avec des vaisseaux d'une incroyable puissance de feu intercontinentale qui naviguent en silence dans les profondeurs. Quand le premier sous-marin nucléaire au monde, le USS Nautilus, entre en service en 1954, il affiche l'autonomie nécessaire pour rendre les sous-marins redoutables. C'était le sous-marin qui a ouvert les yeux de beaucoup de monde sur les avantages du nucléaire. Grâce à son réacteur nucléaire, le Nautilus pouvait rester immergé pendant des périodes extrêmement longues. She's capable of a complete round-the-world voyage underwater. Lors de son voyage inaugural, le Nautilus a parcouru 2558 km entre le port de New London dans le Connecticut et celui de San Juan à Porto Rico, établissant ainsi le record du plus long trajet sous-marin et de la plus grande vitesse de croisière jamais atteinte. Le Nautilus a accompli beaucoup de choses intéressantes. Il a navigué sous les glaces de l'Arctique et a prouvé que c'était possible. Le sous-marin devenait non seulement une arme anti-navire, mais également une plateforme d'armement. Les premières générations de sous-marins nucléaires devaient se ravitailler régulièrement. Aujourd'hui, les sous-marins sont dotés de réacteurs nucléaires qui ne sont ravitaillés qu'une seule fois. Si l'on mesure les sous-marins en termes de puissance de feu, on peut considérer les Américains de la classe Ohio comme de véritables géants. La classe Ohio, les sous-marins à missiles balistiques de l'US Navy, ont une puissance de feu supérieure à n'importe quel autre submersible. En termes de menace, ils sont de véritables monstres des profondeurs. Les sous-marins Ohio pèsent 19 000 tonnes et mesurent environ 170 mètres. Ces vaisseaux atteignent 16 600 tonnes en surface et 18 750 tonnes en immersion. D'une longueur de 170 mètres, un terrain de football et demi, et d'une vitesse de pointe top secrète estimée à plus de 20 nœuds, les sous-marins Ohio embarquent, en plus de 24 missiles nucléaires Trident chacun, des torpilles MK-48 et quelquefois des missiles de croisière Tomahawk. Rester invisible est une tâche très difficile pour n'importe quel sous-marin. Ils doivent être aussi silencieux que possible. Considérés comme les submersibles les plus silencieux au monde, les Ohio sont dotés d'une coque recouverte de tuiles anéchogènes qui empêche toute détection au sonar. L'autonomie d'un sous-marin nucléaire est déterminée par la quantité de nourriture que l'on peut transporter pour l'équipage et par l'endurance du dit équipage à vivre confiné à l'intérieur d'un long tube de métal. La technologie, toujours plus avancée, ainsi que la taille et la puissance des armes utilisées dans les airs comme en mer,
ont une influence décisive sur l'équilibre du pouvoir. Mais pour la plupart des conflits qui ont lieu un peu partout dans le monde, ce sont toujours les armes déployées au sol qui en déterminent l'issue. Une classe d'armes particulière fait littéralement le lien entre terre et mer lors d'une opération offensive continue. Le véhicule de débarquement à coussin d'air, ou LCAC, est un véhicule de débarquement rapide entièrement amphibie qui accoste sur les plages. Le LCAC est l'un des plus grands véhicules de débarquement actuellement utilisés. Capable de contenir une charge utile de 60 à 70 tonnes et d'être déployé depuis des navires de classe Wasp ou Tarawa, les LCAC sont utilisés pour transporter des systèmes d'armement, de l'équipement, des cargaisons et du personnel entre le navire et le rivage, et si nécessaire, sur la plage même. Grâce à son coussin d'air et ses deux turbines à gaz, ils peuvent aller très vite, jusqu'à environ 40 nœuds. Ils peuvent accéder au rivage rapidement, avec le plus de troupes possible à bord, afin de rassembler les hommes au sol en très peu de temps. Seuls 15% des côtes terrestres sont accessibles via des véhicules de débarquement classiques. Les LCAC, eux, peuvent en atteindre 70%. Ils pèsent dans les 190 tonnes et font environ 24 mètres de long pour 12 de large. Au total, 91 LCAC ont été construits. Ils peuvent également transporter un de ces gros joujoux. Le premier régiment de blindés de l'armée américaine est équipé du principal char d'assaut, le M1 Abrams. Il est formidable. À la base, il a été conçu pour affronter les chars d'assaut soviétiques. Le Abrams est un géant. Il pèse pas moins de 62 tonnes, ce qui représente environ 40 berlines familiales. C'est un tank très puissant, très rapide et très bien protégé avec une tourelle stabilisée et des cartouches guidées par ordinateur. Donc, il est capable de se déplacer et de tirer en même temps. Son guidage est tellement performant que s'il a une cible en visuel, elle sera atteinte. Le canon principal de 120 mm, sur les modèles M1 A1 et M1 A2, couplé à un moteur d'une puissance de 1500 chevaux et d'un blindage spécial, en fait une arme de choix pour attaquer ou se défendre contre des blindages lourds sur un champ de bataille. C'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière de chars. Le M1 Abrams, le véhicule de combat au sol le plus performant à l'heure actuelle, est un chef-d'œuvre dans ce domaine qui n'a cessé de se développer au XXe siècle. Son ancêtre, lorsque les Américains affrontaient les divisions allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, était le M4 Sherman, le char préféré de l'armée américaine et du corps des Marines. À l'origine, il n'était pas censé affronter un autre tank. Il était plutôt conçu comme un élément de cavalerie. Sa conception était basée sur la vitesse et la maniabilité, et non sur le blindage ou l'arsenal. Jamais on n'aurait imaginé le Sherman attaquer d'autres chars d'assaut. Cette tâche était confiée aux canons anti-chars et aux chasseurs. Les Sherman étaient conçus pour percer les lignes ennemies et faire de la place pour l'infanterie.
Mais quand les États-Unis sont entrés en guerre et que les Sherman ont commencé à être déployés, leur capacité à combattre les chars allemands s'est révélée insuffisante. Donc, tout au long de la guerre, on a dû l'améliorer et créer des versions géantes du Sherman original. Le Sherman a démontré sa valeur lors de tactiques d'assaut massives. Et grâce à l'industrie américaine, c'est par la masse que le Sherman devint un géant. Après son inauguration en 1942, 48 000 exemplaires furent mis en service en seulement 3 ans. Si vous faisiez partie de l'unité des blindés et que votre Sherman était devenu hors d'usage, vous n'aviez qu'à en sortir et marcher jusqu'au dépôt de chars, où il y avait des centaines de blindés disponibles. Vous montiez dans l'un d'eux et c'était reparti. La guerre moderne se joue à une échelle beaucoup plus resserrée, contre des groupes armés plutôt que des nations. Des conflits aussi irréguliers ont poussé les industries d'armement à s'éloigner des habitudes et à devenir moins conventionnelles. Les MRAP, des véhicules résistant aux mines et aux embuscades, en sont un parfait exemple. Quand l'ennemi a commencé à élaborer des engins explosifs improvisés, des EEI, le blindage des véhicules de transport de troupes était à l'époque très fin et donc très vulnérable aux charges explosives sur les routes. C'est comme ça que cette classe de véhicules a évolué. Et évidemment, ils ont gagné en blindage. Mais le plus important dans leur conception est qu'ils sont dotés de coques en V près du sol. Donc, si quoi que ce soit explose en dessous, la détonation est dirigée vers le bas. Contrairement aux précédents véhicules, qui avaient un fond plat et laissaient l'explosion les emporter. Il existe 3 catégories de MRAP. Les premiers pèsent environ 7 tonnes et peuvent transporter 6 passagers. Les seconds pèsent près de 19 tonnes et peuvent transporter 10 passagers. Et les derniers, principalement destinés à dégager les mines et les EEI, pèsent environ 22 tonnes 500 et peuvent transporter jusqu'à 12 passagers. Si un bidon de 5 litres rempli d'explosifs devait sauter, un Humvee, qui est un véhicule léger, serait totalement désintégré. Mais dans un MRAP, les soldats survivraient. L'armée américaine et le corps des Marines les utilisent depuis une dizaine d'années. Les opérations militaires de petite envergure contre des ennemis peu nombreux et moins bien équipés deviennent de plus en plus courantes. Et le fait d'utiliser des forces plus petites, indépendantes et polyvalentes, qui peuvent se déployer partout dans le monde dans des délais extrêmement courts, est de plus en plus fréquent. Ce déploiement a permis d'identifier un besoin en armes spécifiques que l'on ne trouve pas dans une armurerie traditionnelle. Une force de réaction rapide qui peut se déployer prestement et effectuer tout type d'opérations militaires nécessite un véhicule sur mesure. C'est là qu'intervient le Stryker. Plus léger qu'un tank, avec plus de puissance de feu qu'un Humvee ou un MRAP, les Stryker sont une famille de véhicules de combat à 8 roues motrices, initialement conçus pour l'armée américaine en 2003. Ils sont plus légers, plus petits et plus facilement disponibles que tout autre véhicule de combat. Les Américains ont créé ces véhicules afin de pouvoir déplacer leurs forces rapidement là où ils le souhaitaient. Le Stryker pèse environ 19 tonnes et peut atteindre une vitesse de 100 km/h. Son blindage de 14,5 mm fournit une protection totale et régulière contre les cartouches de mitrailleuses, les mortiers,
et les armes à fragmentation. En Irak, en janvier 2014, les Strikers furent dotés d'une cage renforcée afin de les protéger contre les grenades autopropulsées. Il est armé de canons de 120 mm qui peuvent attaquer d'autres blindés et désactiver les mines antipersonnelles, ainsi que des mitrailleuses lourdes et des lance-grenades 40 mm. Le Striker allie vitesse et arsenal dévastateur, avec la capacité de transporter des personnes dans des zones reculées. On peut envoyer un tank Abrams par avion, mais on atteint vite les limites de chargement avec un seul engin, alors qu'il est possible d'embarquer plusieurs Strikers sur un même cargo. Les véhicules aériens, maritimes et terrestres sont tous essentiels à l'art de la guerre. Mais il est une composante qui a toujours existé et n'a jamais cessé d'évoluer. Ce qui fait des navires, des avions et des combattants au sol une vraie force létale, ce sont les armes. Les bombes nucléaires, sous leur forme atomique, à hydrogène ou à neutrons, doivent leur force d'explosion à des réactions nucléaires qui se produisent lorsque des atomes sont rapidement séparés, la fission, ou lorsque les noyaux nucléaires sont rassemblés pour former un noyau plus lourd, la fusion. Les traités internationaux ont identifié les bombes atomiques comme armes de destruction massive. Le premier test nucléaire a eu lieu le 16 juillet 1945, près d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Personne ne savait ce qui se passerait. People 100 miles away say it looked like the sun rising suddenly at night. It was the first man-made explosion of atomic energy. La bombe a été élaborée par le projet Manhattan pour un budget de 20 milliards de dollars. Elle était spécifiquement conçue pour détruire des villes, toutes leurs infrastructures et leurs habitants. Oppenheimer exprima son sentiment à ce sujet en citant un vers d'un poème hindou. « Maintenant, je suis la mort, le destructeur de monde. » La bombe atomique fut utilisée à 2 reprises contre le Japon. La première bombe, nommée Little Boy, ou Petit Garçon, fut larguée sur Hiroshima le 6 août 1945. The B-29 dropped its load of atomic death, which exploded with a force equal to 20,000 tons of TNT. Seul 1,38% de l'uranium enrichi a subi une fission nucléaire. Comme le gouvernement japonais ne réagissait pas, une deuxième bombe fut larguée sur Nagasaki le 9 août. Fat Man, ou Gros Homme, une bombe à implosion contenant seulement 6 kg de plutonium, soit la taille d'un ballon de football, fut 10 fois plus destructrice que Little Boy. Elle a généré une gigantesque boule de feu et une immense onde de choc. Chaque être vivant et chaque bâtiment dans un rayon d'un à 2 kilomètres a été anéanti. All of you who see this picture can judge for yourselves the extent of the menace to civilization of this new weapon. Le gouvernement japonais capitula peu de temps après, mettant un terme à la Seconde Guerre mondiale. Les bombes nucléaires étaient le symbole d'une sorte d'héliocentrisme, dans l'idée que les hommes voulaient contrôler l'énergie du soleil. L'industrie de l'armement a constaté la terrible puissance de l'énergie nucléaire et ne s'est pas limitée à des bombes dévastatrices. Le développement d'armes nucléaires tactiques, parfois appelées mini-bombes, a connu son apogée au plus fort de la guerre froide.
Le premier obus d'artillerie nucléaire conçu par les États-Unis fut tiré le 25 mai 1953 sur le site d'essai du Nevada depuis un canon M-65 surnommé Atomic Annie. Quand on parle de petites bombes nucléaires, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un dispositif qui avait beaucoup plus de puissance de destruction que les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. La puissance de cette mini-bombe est estimée à 15 kilotonnes. Atomic Annie était une improvisation du début de la guerre froide. Elle utilisait l'une des armes les plus anciennes, une pièce d'artillerie, pour tirer la plus récente, un engin nucléaire. The big gun provides more accurate and damaging support to ground troops than any other gun in the recorded history of warfare. Si on devait utiliser contre une division soviétique en marche, disons 15 à 20 000 soldats, il les réduirait à néant en ne laissant derrière lui qu'un désert radioactif. Sa conception fut inspirée par les canons sur rail utilisés lors des deux guerres mondiales. Son canon occupait la quasi-totalité des 26 mètres de long et sa portée était de 30 km. Le fabricant de moteurs Kenworth a conçu et assemblé des tracteurs spéciaux pour déplacer le M-65, l'un pour tirer et l'autre pour pousser. Le canon pesait 42 tonnes 500. Et l'ensemble des remorques, plus de 78, bien plus qu'une navette spatiale. Vingt canons M-65 furent déployés en Europe et en Corée. Ils n'ont heureusement jamais été utilisés. Le canon avait été testé avec succès. Mais comme on le sait, la guerre froide ne s'est jamais réchauffée et il est devenu inutile. Peu importe la puissance grandissante des armes, c'est le soldat, avec un casque et un fusil, qui constituera toujours la base d'une armée. Là aussi, les fabricants d'armes se démènent pour toujours faire mieux et plus gros. Parmi les armes légères actuelles, la meilleure est probablement le fusil antimatériel Barrett. Le Barrett, dans son modèle M82 ou M107, fut d'abord conçu comme une arme antimatérielle. On appelle cette catégorie antimatérielle parce que leur fonction première est de pénétrer ou de toucher le bloc moteur d'un véhicule et de le détruire. Dans beaucoup de forces armées, il est utilisé comme fusil de précision à longue portée. Il tire des balles très puissantes de calibre 50, qui sont les plus grosses cartouches disponibles aujourd'hui. Le Barrett a une portée effective maximale de 7 km, selon les variantes. D'un modèle à l'autre, il pèse environ 14 kg. Bien plus que le Lee Enfield britannique standard utilisé lors des deux guerres mondiales. Mais le Barrett se montre beaucoup plus efficace. C'est pourquoi ces différentes versions sont utilisées dans les armées de plus de 50 pays. Ce fusil de précision permet à un soldat de tirer depuis une très longue distance un projectile capable de stopper net un véhicule en mouvement. Mais les cibles ne sont pas toujours légères ni rapprochées. Et surtout, elles ne sont pas toujours lentes ou immobiles. Les fabricants d'armes ont alors imaginé quelque chose de plus grand qui pourrait abattre de larges cibles plus éloignées et se rapprocher rapidement grâce à une arme très particulière. Le GAU-8, surnommé Avenger, joue dans une autre catégorie. L'Avenger est un tueur de tanks. Il pourrait décimer une file entière de véhicules.
C'est une arme gigantesque et extrêmement mortelle. Longue de 6 mètres et pesant près de 280 kilos, cette mitrailleuse n'est pas faite pour être portée à la main sur le champ de bataille. Elle a été conçue pour être montée sur les avions A-10 d'appui aérien rapprochés, et c'est l'un des canons aériens les plus puissants jamais créés. Les avions peuvent être assez fragiles et il ne faudrait pas qu'ils soient mis à mal par leurs propres armes. Quand un projectile va dans un sens, il y a une force égale qui part dans l'autre sens. Et les chasseurs A-10 ont été spécifiquement conçus pour supporter cette force. Le Avenger tire des munitions en uranium appauvri anti-blindage qui peuvent détruire aussi bien des chars d'assaut que d'autres avions de combat. Sa puissance est due à la quantité associée à la précision. Il tire des munitions de calibre 30 mm à une cadence effarante de 4200 tirs à la minute, avec une portée de plus de 3,5 km et une vitesse à la bouche qui dépasse largement les 3500 km/h. Ajoutez à cela une précision chirurgicale et vous obtenez une arme incroyablement dévastatrice. Si vous êtes sur le champ de bataille, sous le feu ennemi, de toutes les armes avec lesquelles on pourrait vous attaquer, c'est la plus terrifiante, car elle agit comme une balayeuse de rue. Elle nettoie tout sur son passage. Les armes qui ont une telle puissance dévastatrice comme le GAU semblent insignifiantes comparées à celles qui peuvent partir à l'autre bout du monde pour apporter une destruction totale. Si les armes nucléaires assurent une parfaite annihilation, la capacité à les déclencher depuis un autre continent constitue la plus grande menace. C'est le cas des missiles balistiques intercontinentaux. Initialement déployés aux États-Unis et en URSS en 1959, les MBI sont capables de transporter de lourdes têtes nucléaires, de 1000 kilotonnes ou plus, à des vitesses supersoniques et de frapper leur cible en 30 minutes à plus de 10 000 km de leur point de lancement. The ICBM is the most advanced, intricate and complicated weapon system ever devised. Les MBI peuvent être lancés depuis des plateformes mobiles ou stationnaires, au sol ou depuis des avions, des navires ou des sous-marins. Déployé pour la première fois en septembre 1959, le Atlas SM-65 fut le premier missile balistique intercontinental opérationnel des États-Unis. We had a complementary weapon to be used against any target which we could foresee in potentially hostile nations, no matter how far distant. Ça signifiait que toutes les villes importantes de l'Union soviétique auraient pu être visées. L'Atlas faisait environ 26 mètres de haut et pesait 118 tonnes. Au décollage, la roquette fournissait 1300 kN de poussée et transportait une tête nucléaire 100 fois plus destructrice que Fatman, la bombe de Nagasaki. La force d'explosion d'un seul de ces missiles était équivalente en TNT à plus de l'intégralité des engins explosifs qui ont été utilisés lors de la Seconde Guerre mondiale. Au plus fort de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS possédaient tellement de MBI dans leur arsenal que les deux nations avaient atteint ce que l'on a appelé l'équilibre de la terreur. Le vieil adage qui disait que l'on avait suffisamment de puissance pour détruire plusieurs fois la planète était vrai. Dans un effort incessant pour être toujours plus puissant,
plus rapide, plus dévastateur, plus grand que les armes ennemies, la course à l'armement fait partie de la condition humaine, depuis que l'homme a ramassé son premier bâton. On a acquis comme fondement que plus on est gros, plus on est fort. C'est par sa taille que l'on mesure l'utilité d'une arme. Les géants des airs, des mers et de la terre décident du sort entre victoire ou défaite. Avec le temps, on ne peut douter que l'homme continuera de créer de nouvelles manières de combattre, plus grosses, plus rapides. Un arsenal démesuré pouvant apporter la paix ou la détruire.